Bien. Et je vais vous demander de vous imaginer sur un toboggan. Et vous descendez ce toboggan de plus en plus et de mieux en mieux. Comme si vous rentriez à l'intérieur de vous-même, complètement et totalement à l'intérieur de vous-même, de plus en plus. Et au compte de 3, vous allez pouvoir vous réveiller. 1, 2, 3, réveillez-vous. Allez-y, réveillez-vous, tranquillement, tout doucement, voilà. Ok, alors on va faire une expérience un peu particulière, puis vous demander de coller toutes vos chaises. Collez vos chaises, complètement, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais vous demander, alors... Et comme ça, on va faire une chaîne. Voilà, on va faire une chaîne, comme ça. Voilà, parfait. Et... Là, je crois que là, il va y avoir un petit problème de chaîne. Ok, nickel. Parfait, génial. Ok, et comme précédemment, vous allez bien venir serrer vos mains. Venez bien serrer vos mains, complètement, totalement. Voilà, comme ça. Et vos mains, elles sont verrouillées. Maintenant, vos mains sont complètement et totalement verrouillées maintenant. Et vous allez peut-être essayer de vouloir vous déplacer, mais vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir parce que vos mains, ils vont être verrouillées. Le seul truc, c'est que sur vos sièges, vous vous rendez compte que sur vos sièges, il y a des punaises. Et vous commencez à sentir ces punaises. Va peut-être falloir partir, hein, mais vos mains sont toujours verrouillées. Hein. Va peut-être falloir partir, non? Va peut-être falloir se lever parce que les punaises, ça fait quand même mal à force. Hein. Allez-y, essayez de partir, allez-y, essayez de partir, allez, va falloir à un moment donné, va falloir partir, hein, parce que les punaises sont de plus en plus douloureuses. Va falloir partir. Non, ça a l'air de... Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être compliqué, qu'est-ce qui se passe? J'ai la phobie des punaises. D'accord, bon, c'est pas bien grave. Et toi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à bouger. Ah, ça c'est embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant, ça, quand même, hein. Personne n'a envie d'aller aux toilettes, j'espère. Non, ça va? Parce qu'il y a une petite envie de pipi qui monte. Tout doucement. Ça monte, hein. Ça monte de plus en plus, hein. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Ça monte de plus en plus. Peut-être alors y aller? Je sais pas. Non? Non? Ok. Et vous pouvez desserrer vos mains maintenant. Vous pouvez enlever vos mains. Bien sûr, l'envie de pipi s'arrête complètement et totalement, hein. Ok. Comment vous vous sentez? Tout va bien? Fichu, oui, c'est normal, parce que... Ok. Eh bien, dès que je vais vous toucher, vous allez vous retrouver de nouveau dans cet état profond de relaxation. Dès que je vais passer derrière vous et que je vais dire dormir, vous allez vous retrouver dans cet état profond de relaxation. Alors, tous les gens sur scène, je vais vous demander quelque chose de très simple. Je vais vous demander dans votre tête d'imaginer d'écrire un chiffre sur un morceau de papier. Et ce chiffre, ça va être le chiffre 7. Allez-y, écrivez ce chiffre 7 sur un morceau de papier dans votre tête. Allez-y, faites-le. Même quitte à faire le geste, hein, ça pose aucun problème. Ok. Est-ce que toutes les personnes sur scène ont écrit ce chiffre 7 dans leur tête? Ouais, c'est bon. Ok, et bien vous savez quoi? Je vous enlève ce chiffre 7 de votre tête. Maintenant, vous allez tous pouvoir ouvrir les yeux. Ouvrez tous les yeux. Voilà, ouvrez tous les yeux. Et regardez, le chiffre 7, il est ici. Il est pile poil ici. Vous le voyez bien? Regardez-le bien. Et je vais l'attacher à un ballon. Voilà. Et ce ballon, il commence à s'élever de plus en plus haut dans les airs. Regardez, regardez ce ballon. Et ce chiffre 7, ce chiffre commence à s'effacer de votre mémoire. Plus le ballon s'en va,
de plus en plus haut, et plus ce chiffre s'efface de plus en plus. C'est comme quand on essaie de se souvenir d'un rêve, et que ce rêve, il s'efface. Plus vous essayez de vous en souvenir, et plus ça s'efface complètement et totalement. Ok. Parfait. Très bien. On va prendre quelqu'un au hasard. Une petite idée, calme. Et bien alors, vas-y. Bonjour. Dis-moi, je sais que tu sais compter de 1 à 10, mais est-ce que tu pourrais compter pour nous de 1 à 10 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 8 peut-être ? Oui. Ouais, c'est ça, 8. 10. 10, ouais. Ok. Ok, c'est bien ça, c'est cool. Dis-moi, il y a pas au blanc il est accompagné de combien de mains ? D'accord, ok. Mais peut-être que quelqu'un sur scène sait Blanche-Neige, elle est accompagnée de combien de nains ? Combien ? 8 ? 6 ? Je sais pas. D'accord. Y a combien de jours dans une journée ? Dans une semaine, il y a combien de jours ? 6 ? 8 ? 6 ? 6 ? 6 ? Alors, si y en a 6 ? S'il y en a 6, tu peux nous citer les jours de la semaine, les différents jours de la semaine, s'il te plaît. D'accord, et ça fait 6. Non, je sais plus. D'accord, ok. Quelqu'un sur scène sait peut-être combien il y a de jours dans la semaine aussi ? Ah, 7, ah. Il y a une débuguée. Ah, oh, c'est bien dommage. Ok. Et tout revient, le chiffre que vous aviez perdu revient maintenant. Tout revient pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a le chiffre 7 ? Ouais, c'est bon ? Vous pouvez nous le dire ? 7.